Est-ce que ça clignote? Non. Oui. Bon. Donc, la maison est par là-bas, juste à droite, là. Ouais. Puis là, nous, on a marché sur le côté de la rue, puis là, on arrive ici. C'est comme un petit sentier de bois. Par là-bas, ben, c'est le petit sentier qui continue sur le bord de la petite rivière. Ah oh, oui, à la Kyo, je la vois. Oui. Puis là, nous, on continue par là-bas. Ça, c'est mon chemin que je prends tous les jours pour aller travailler. Non, pas tous les jours, parce que je travaille pas tous les jours. Mais tous les jours, quand tu sors de la maison et que tu as quelque chose à faire. Oui, quand j'ai quelque chose à faire puis que je vais aller prendre le SkyTrain, parce qu'aujourd'hui, maman va prendre le SkyTrain. Oui, oui, oui. Ça, donc, c'est bien plus fun. D'accord. Donc, comme vous avez pu remarquer... Je suis même contente de prendre des transports en commun. C'est super le fun. Là, comme vous avez pu remarquer, ben, on porte notre capuchon et notre manteau plus parce qu'on est en Vancouver et qu'il fait juste ça pour voir. Bon. Et mouillasse. C'est un peu désagréable dans les lunettes, mais pas assez pour mouiller jusqu'à date. C'est correct. Je comprends pas pourquoi ça clignote le chiffre, mais c'est pas grave, ça doit être tout le temps comme ça. Pourquoi tu fais juste fixer la caméra? Oh! Des traces de votre party! Non. Le vert rouge! Non. OK. C'est bon ça? Celui dans 10 minutes, bon, on oublie le projet, puis j'attends encore 40 minutes avant de le Fait que c'est ça, là, on s'en va là. Allez, je prends un train là, tu fais toute la ligne jusqu'à là-bas. Tu veux que je recommence l'explication? S'il te plaît. Oh. Là, nous, on est ici à Lake Filiway présentement. Donc, on va prendre un SkyTrain qui fait ça comme ça. On va changer de SkyTrain à Commercial Broadway pour pouvoir continuer jusqu'à Waterfront. Ici, on a Waterfront. Ouais. Et ensuite, on va prendre le C-Bus que je n'ai jamais pris de ma vie. Ouh! Je n'ai jamais pris, mais à s'accaparer, c'est vraiment intéressant. Donc, on va juste prendre un petit bus jusqu'à Lonsdale Cay. À Lonsdale Cay, on a quelque chose à visiter. Ensuite, on va prendre un autobus pour aller visiter autre chose qui est genre ici. Là. OK. Cool. Je vais regarder ça. Ça veut dire que l'aéroport est comme direct site. Non, l'aéroport est ici. Ah oui, l'aéroport ouais, il est là. Airport. Donc, la mer est tout le long ici. T'en as ici aussi un petit peu. Oui, parce que ça a l'air à rentrer quand je suis arrivé en avion, je le voyais bien. Ici, fait qu'on a une rivière aussi. Oui. Wow. C'est bon aussi. Wow. Ça fait genre ça, là. Ouais. Puis moi, j'avais vu un paquet de paquebots de transport ici quand je suis arrivé avec l'avion. Oui. Ah, mais c'est bien. Tiens. Ça, c'est le SkyTrain. Fait que, ben, c'est sûr, là, c'est bien ordinaire. Là, un SkyTrain, c'est comme un métro, mais c'est dans les airs au lieu d'être dans la terre. Et où? Et où? Non. Ben ici, OK. Là, on continue à regarder la map. Le jaune et le bleu royal, on va dire bleu royal, c'est quand même bleu royal. Ouais. Ça ici, c'est tout ça là, c'est tout à l'extérieur de la Terre. OK. Sauf pour cette station-là et cette station-là. Ah bon! En fait, de là à là, c'est en dessous de la Terre. D'accord. De là à là, c'est en dessous de la Terre. D'accord. Parce que ça, c'est la Canada Line. Et la Canada Line a été construite après les Jeux Olympiques. Et notre SkyTrain est en train d'arriver. OK, ça, c'est bien ordinaire. Si je suis pas si touriste que ça, Chris, j'arrive pas d'être dans le bois.